3 décembre. Anecdote numéro 3. Un événement va marquer la chaîne et pas dans le bon sens, puisque ce cover non-metal m'a valu mon tout premier strike. Malheureusement, je ne sais plus quelle chanson j'avais repris dans cette vidéo, car à l'époque j'avais le mauvais réflexe de supprimer les vidéos de mon ordi après les avoir postées sur YouTube. Avec du recul, je vous laisse imaginer à quel point j'étais blasé de ne pas me rappeler de la chanson en question à cause de cette mauvaise habitude. Vous savez tout aussi bien que moi que quand on reçoit un strike sur YouTube, ça ne fait pas du bien au moral. Et dans mon cas, ça m'a surtout fait peur, car on sait qu'au bout de 3 strikes, la chaîne se fait clôturer. Fini, basta, c'est terminé. Alors autant vous dire que c'était la panique quand ce premier strike est arrivé. Je cogitais pendant plusieurs jours là-dessus, et j'avais finalement pris une décision. Ce qui fait que le 6 janvier 2011, je crée une chaîne de secours que j'avais nommée Compte Sacrifiance, vu qu'on ne pouvait pas mettre le même nom sur deux chaînes. Cela étant fait, je n'avais repris les vidéos sur la chaîne principale qu'au mois de mars de cette même année. Mais le contenu était totalement éloigné de l'identité de la chaîne que j'avais construite avec les premiers covers. Mais je reviendrai sur ce genre de contenu dans la vidéo de demain. Sachez aussi que cette chaîne de secours ne sera pas utilisée avant 2012. D'ailleurs, à partir de cette année, ce ne sera plus une chaîne de secours vu qu'au final, la chaîne principale n'a jamais été clôturée. Plus de peur que de mal, mais ce ne sera pas inutile pour autant. Mais ça, vous le saurez plus tard en ce mois de décembre. Cette anecdote était courte par rapport aux deux premières, mais j'avais envie de vous en faire part car je trouve que ça a son importance pour comprendre comment j'en suis arrivé à faire tel ou tel choix, comme une fiction ayant un lore autour de lui. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine anecdote des 10 ans de la chaîne.